Test son. Test son. Voilà, ça va. Tout est bien, qui finit bien. Bon. On va reprendre là où on était. La dernière fois, je suis bien motivé à avoir un petit bout d'œil. Du coup. Ouais, je lui, ça suffira. Donc, hop là, je vais tweeter. Voilà, j'ai tweeté. C'est parfait. Voilà, ça commence. Tac. On commence par faire un petit clonage. Éviter de se prendre des choses inutiles. Ensuite, on commence. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. Bref, sinon j'espère que vous allez bien, tranquille. Je reprends les streams. Poser, tac. Stream, hop là, je me ferai juste un jour de repos à chaque fois. Je streamerai une nuit sur deux. Encore une fois, et ce sera bon.
Like a prince. Sinon ça fait quoi? J'ai failli tuer le petit boudet, j'aurais rage quit. Ah là là là, ça m'aurait fait... Ça m'aurait fait chier, on va dire ça. Oui, c'est parce que j'ai failli tuer Thiboudet. Oui, oui. Tant que je capte, je me dis. Ouais, j'aurais été salé 9000 fois. C'est une chèvre. La chèvre. La biquette. La petite biquette. Allez. On va changer de petit boudet juste après. Le petit boudet.
est mort. Il est mort. J'ai plein de câbles sur moi, c'est chiant. Salut. C'est une question pour savoir comment on peut avoir ci ou ça, je peux te renseigner. J'ai farmé le jeu, je souhaite avoir un Akasam dans ma team et j'aurais besoin d'une âme charitable pour faire un transfert. Ah! Faire évoluer. Ça c'est chaud à faire, ça. Je sais pas si tu connais la technique de la GTS, mais à mon avis, c'est ton abra. La famille Tegu. Mais si t'as deux jeux, c'est complètement possible. Il faut juste être possible. Tu peux le faire ça avec la GTS. En gros, tu déposes un Pokémon à la GTS que tu retiens. Par exemple, un Colossinge, par exemple. Level 32, par exemple. Ensuite, tu changes très vite le jeu. T'attends la sauvegarde, tout ça. Ensuite, le jeu où il y a ton Kadabra, tu fais l'échange. Ah, t'as pas de jeu, merde. Bon. Merde. Parce que sinon, il y a cette technique là qui marche très bien, qui permet de s'auto-échanger des Pokémon. Mais sans ça, je peux pas t'aider. Là, actuellement, je peux pas t'aider. À la fin du stream, je pourrais. Dans 1h30 environ. Si je suis pas assez. Avec des si on fait le monde, s'il y a un truc, voilà, il n'y a pas un site communautaire pour les aides comme ça. Ah ok, parfait. Ouais, après, sur Pokéstrat, ouais, après voilà, il y a Pokéstrat. Et aussi Twitter, hein, tu peux essayer de faire ça sur Twitter. Demander tranquillement. Évaluer en fonction s'ils sont pas fait de conneries avec les échanges, tout ça. Donc si c'est comme Pokébip. Tu.
moi qui peux faire ça. J'espère l'avoir le petit bout des blancs parce que là ça fait trop. C'est trop longtemps que je le chasse. Ça va être que, comme l'oreille caillou là. L'oreille caillou j'ai eu. Je sais plus combien de fois. Parce qu'il y a ma télé, mon deuxième écran, et c'est là où je gère un peu OBS, tout ça, c'est normal. Vous inquiétez pas, tout est géré par moi. Hop là. J'étais à 400, 600, là je l'ai mis à 600, 800. Je demanderai petit à petit. Hein. Je pense que je peux le mettre à 1400, 1600. Je pense que je peux le mettre là-dedans. Mais bon, je préfère faire ça, comme ça. Thank you.
ça marche pas. Ça soigne pas. Ligotage, ça fait qu'un tour. Bref. Après, je parle de ça, c'est quand c'était il y a un an. Peut-être que ça a été corrigé depuis. Et toujours en bêta, je crois, ou en alpha. Je sais plus. Hop là. Et un coup sur le forum, j'avais posté une petite idée et ils ont bien aimé. Parce qu'ils ont... Le jeu est assez dur. Hein, parce que moi j'avais pris la bonne idée de faire le mode difficile. Je me suis dit, bon, je suis habitué à jouer à Pokémon. Voilà, un petit challenge. Challenge en plus qu'il y a dans le jeu, c'est qu'il faut entraîner, c'est que les Pokémon nécessitent deux fois plus d'XP. Donc, je sais pas, mais c'est pas trop ouf. Ou les Pokémon, je sais plus, soit c'est les Pokémon nécessitent. XP pour avoir un niveau, soit il gagne deux fois moins d'XP, mais l'un ou l'autre c'est la même chose quoi. Ça rapporte juste ça, et peut-être qu'il y a deux levels de plus. C'est quand même bien chaud. Oui, c'est très chaud ce mode. Je pense qu'il y a aussi l'XP, et il y a aussi les dresseurs ont augmenté de 2 ou 3 levels, je sais plus. Bref, en fonction de la difficulté, hein, faut que ça soit bien jouable. Tac. J'ai fini jusqu'au 8ème badge. Après j'ai arrêté parce que c'était un peu trop bugué. C'est même peut-être l'un des seuls jeux où quand je faisais l'aventure, tellement j'entraînais mes Pokémon avec les Pokémon sauvages, que j'ai réussi à choper un Shiny. C'était un Piafapec juste avant Azuria. Je m'en souviendrai toujours. J'ai encore le screen. Screen en plus. C'est peut-être même ça qui m'a dit, qui m'a dit, oh, je veux continuer. Hein. J'ai un shiny, je continue. Hein. Est-ce que les trucs, le taux des shiny était le même?
quelques versions. La dernière que j'avais, c'est celle qui était en 1.10. Qui est trop bien, d'ailleurs. Voilà. Et peut-être que je ferais ça. J'aurais quelques lives dessus. Parce que c'est intéressant, ça. Même si je comprends pas trop le but. Quand on est en solo aussi, y a pas trop de but, donc. Pof. Mais bon, et vu que je suis un grand farmer, j'avais. La partie où j'avais. Où j'ai actuellement. J'ai fait un champ de noix grumes. Mais de ouf. Du genre, une fois que j'ai fini le champ, je peux retourner au début pour refarmer tellement que il y a de noix grumes. C'est ouf. Je suis un très grand farmer. Hop là. J'ai même fait un système de wagon. Ça m'a coûté beaucoup, énormément de fer, mais une fois que c'est installé, ça va tellement plus vite. Hop là, hop là. Hop là. Sinon j'aimerais bien reprendre l'émission de que j'avais fait, c'est sur l'indé. J'avais fait en gros quand je streamais c'est sur la Fireteam. Au début je faisais des lives que sur les jeux indé. Et c'était très bien d'ailleurs. Parce que le haut de la boîte là, Jim. Il aimait bien parce que ça changeait. Ça changeait de ce que les autres streamers faisaient. Parce que les autres, ils faisaient les jeux récents, par exemple, Call of Duty, tout ça, League of Legends. Tandis que moi, je proposais autre chose. Donc, un petit peu de fraîcheur en plus. Il aimait bien ce petit truc. Comme moi, j'aime pas LOL, tout ça. Je m'en fous complètement.
Je vois le genre de jeu. Ok. Ok. C'est juste un platformer spécial. J'aime bien le 3 petits points et spécial. Ça m'inquiète pas trop. Hein, non mais j'en regarderai. J'en regarderai. Si j'ai les sous parce que j'ai presque plus rien pour finir ce mois. J'ai 15 euros. C'est tout. Voilà. J'ai le frigo plein mais j'ai juste 15 euros. 15 euros sur mon compte. Si il vaut le coup, je ferai. Ça ressemble au début d'une mauvaise blague. Alors, c'est un viking dans un avion. Il a dit je vole, je vais au Valhalla. Je veux aller au Valhalla. Non, là vous êtes dans un avion. Le Valhalla. Valhalla. Je vois qu'on est 4 sur le stream. Il y a moi, parce que je regarde mon stream, oui. Il y a Poufto et deux autres personnes. Qui sont les deux autres personnes? Manifestez-vous. Dites bonjour. Dites-moi bonjour au moins. Je rigole. Si vous avez pas envie de parler, parlez pas. C'est parle. Trouver, oui, mais il reste une personne. À moins que l'autre personne, ce soit Moubot. Sauf que ça m'étonnerait parce qu'il s'est pas du tout manifesté. Parce que normalement, il était censé faire repérer un message tous les 10 messages. Donc, c'est l'homme invisible. Tac.
sorti, bah oui, hein, je l'ai fait fuir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit de parler. Non, je m'en fous. Fous le camp. C'est pas grave. Sur ma chaîne YouTube, j'ai quasiment gagné 600 abonnés en tout depuis le début de l'année. Non, j'ai gagné, oui, 100, presque 100 abonnés depuis le début de l'année sur ma chaîne YouTube. C'est ouf, je fais rien dessus et je gagne des abonnés. Enfin, je fais rien, je fais des conneries. Hein. Ah, he's back. Bonjour, comment vas-tu? Sa chaîne d'ailleurs, mais personne n'a lu le message de fin. J'ai fait une compilation de ses réactions, c'est moi qui l'ai faite. J'ai fait quoi? Ah, j'ai fait ça. Je suis con.
c'est pas ce qui m'intéresse le plus. À part sur ma chaîne, je réponds à tout. Parce que je peux. Mais sinon. Chani, bordel. Après, je vais plus avoir pépé. Je vais devoir gaspiller un tour. Un précieux tour. Allez, on a eu trois d'affilée là. Il y en a un quatrième là. Ah non. Évidemment. Quand on parle du bé. Moi je l'ai pas senti le boost parce qu'il a pas trop bah parce qu'il a il savait pas que j'avais une chaîne YouTube en fait. J'aurais dû demander, je me dis si je peux demander encore là, mais je sais pas si s'il voudra. Parce que NP il aime pas quand on les spoit.
suis toute seule là. Tu fais juste une dégustation de thé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mon spinner depuis. J'aime pas le rose. Je peux même le rechoper. Il est là. Hop là. Il est là. Il est rouge. Bref, c'est de la merde. Ça me rappelle ma miniature. Ta miniature. Tac. Une heure de live bientôt. Ça se voit. J'aimerais rajouter que avec NPI, je sais pas qui c'est, j'aimerais charter de cet angle, rajouter. Hein? Ok. Je sais pas qui c'est, Gamé. Ça change un truc d'avoir un Pokémon mâle ou femelle ou mâle un Pokémon. Ça dépend les Pokémon. Par exemple, Abidrini, mâle, ne peut pas évoluer en Abirène. Par exemple, il y a quelques Pokémon, il y a quelques exceptions. Par exemple, Galam, Tarsal. Galam ne peut être que mâle.
Végon mal, level 50 sera. Aura avec les mêmes. IV, même nature sera autant puissant que l'Ibégon femelle, même IV, même nature, tout ça. Le sexe change rien du tout, c'est plus pour les évolutions. Et peut-être pour les attaques, je sais pas. Je sais pas s'il y a des genres qui changent, s'il y a... Mais à mon avis, non, je pense pas. Je l'ai une follow. Oui, je m'en souviens. Je l'ai une follow il y a pas longtemps. J'ai fait un nettoyage sur mon Twitter. Je l'ai une follow. Je me disais qu'il y avait. Je crois qu'il faisait aussi des combats. Je l'ai déjà battu avec. Je suis content de ma co. Ma connexion ne bug pas du tout et je suis content. J'ai fait la même chose involontairement.
saoulé, du coup j'en ai pas fait, j'en ai pas refait depuis. Moi qui avais dit qu'il allait à refaire une fois par mois. Je sais même plus où j'en suis niveau. Quand est-ce que je dois changer de type boudé? Bonjour, je vais changer de type boudé juste après. J'ai repris Pokémon, c'était en 2013 je crois, non, 2015, j'ai repris, avant j'avais, quand j'ai arrêté à Noir 2, Blanc 2, je me suis dit, ça me sert, ils veulent juste faire du fric, ça sert à rien de refaire ça, apparemment j'ai raté ma version en plus.
ça m'a saoulé, j'ai arrêté Pokémon. Et puis voilà. Et ensuite je vais reprendre. Parce que juste parce que je savais qu'il y avait un remake de Ruby Omega ouais. Ruby et Saphir. Juste pour ça, je me suis dit bon, on va se remettre au goût du jour. J'avais pris la version Y, je me rappelle. Et je l'avais beaucoup mieux apprécié. Je me rappelle que je l'avais beaucoup mieux apprécié. Parce que je connaissais aucun des Pokémon. Zéro Pokémon, je connaissais. Je connaissais rien. Je connaissais peut-être juste les trois starters. J'avais et la grenouille, c'est tout. Et les deux légendaires, mais sinon c'est tout. Et ça, c'était, je me rappelle, le fait de découvrir complètement un jeu, ça m'a fait, je me suis dit, c'est trop bien. Voilà quoi. Découvrir un jeu sans se faire spoiler, c'est trop bien. C'est qu'on termine le jeu en une semaine. Même pas. Je torche plus tard en 2 jours. Bah oui, moi aussi je l'avais torché en 2 jours. Non. Après, moi je prends mon temps. Genre, en 4 jours je l'avais torché. Hein, mais. Puis je défonce Soleil et Lune en moins de 2 jours. Ouais. Soleil et Lune, j'ai pris 2 semaines. Hein. Je me dis, jouer évidemment l'âme d'un tryharder, évidemment. Puis moi aussi je me dis je veux jouer prochain. Bon, moi j'ai pris 2 semaines, 3 semaines après. Par contre, j'ai tryhardé le Pokédex en 3 semaines, il était complet. Jungle et la Vendia, je savais pas qu'il fallait aller ici. Donc pendant
Ah oui, il te dit où est-ce que tu vas. Tu t'en fous pas les couilles des dialogues. C'est logique. Voilà, ce monde est triste. C'est quoi le nom qui se fait clonage. C'est clonage. Voilà. Clonage. Une capacité extrêmement pratique. Je l'utilise tout le temps. En chasse. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pas d'altération au statut. Direct, renseignement, lien, paf, internet. Par contre, Pouf-toi, c'est pas parce que t'es encore modo que tu peux spammer n'importe quel lien. Ça, le double écran, ouais, voilà. Là, ça va, je comprends. Lien, Bookestrat, fiche, attaque, clonage. Je sais que c'est pas un lien fake, mais là, juste pour dire si. Sinon, sale gamania, comment vas-tu? Comment vas-tu? Oh, il charge le sprite. Il va être shiny. Prédiction. Le prochain petit boudet est un shiny. Parce qu'ils essayent de voler. Donc c'est ici qu'ils peuvent en trouver plus facilement. C'est à 5%, mais voilà. Et d'ailleurs, vu qu'ils essayent de voler, si tu vas dans la grotte et que tu descends, il y a aussi une autre zone d'herbe. Tu peux voir des drabis. Parce qu'ils sont tombés. Voilà. Ils essayent de voler. Et oui, ils sont pas cons. Boudet, allez, allez. Oh putain, c'est pas chez lui. Ça m'énerve, il m'énerve. Il y a 1% de chance. Ah bon? Et pas 5%, c'est bizarre. Désolé, rebouffe-toi. Thank you.
vacances scolaires. Parce que j'attends que tout le monde soit déconnecté pour pouvoir stream facilement. Et vu que j'ai un frère, du coup, il est comme vous, il se fait sur internet, tout ça. Je veux pas que ça altère mon stream. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'au début de mes lives, je gueulais tout le temps. Je priais pour me dire. J'espère qu'il faut pas que je le cherche à 16h30 ou à 17h. À 17h45. Hein. Voilà, c'est les heures où il revient. C'est pour ça que je me disais, bon, voilà, je prévois 2 heures de stream, voire plus, si il m'appelle pas, parce que Simon, c'est pour ça que c'est tout le temps mon téléphone sur moi, il est pas en mode avion, c'est si ou que ou, il me dit, ouais, tu peux venir me chercher, parce que j'ai le permis, évidemment, faut que je cherche mon frère, parce que monsieur veut pas attendre jusqu'à 19h. Oui, je raconte ma vie, j'ai envie. Un problème. Allez. Allez, ça fait hyper longtemps que j'ai pas entendu d'étoiles. Allez. Oh, il charge le sprite. Est-ce que une prédiction Scarabrut ou Curiel, un Pokémon avec Curiel. Avec Force of Mass, oui, c'est long, mais c'est le seul moyen. On peut pas annuler un talent comme ça. Ou sinon, tu prends un autre. Un autre. Panda barbare.
par son talent. Voilà. Avec baseball. Voilà. Et vu qu'il a une attaque acier, tu pourras les one shot facile. Mais c'est quand tu deviens doré. Oh là 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 là, putain. Mais il m'énerve ce truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais tuer lui. Voilà pourquoi. Parce que voilà, il m'énerve. Il ramène pas de shiny. Voilà. Excuse-moi, mais à un moment donné, il faut. Voilà. Tu vas imiter. Fauchage. Tac. Dans la calotte. Tu n'es pas mort. Tu es encore en vie. Il charge le sprite. Je prédis. Dans 5 rencontres. Dans 5 petits boudets. Il sera shiny. Sera jamais, mais bon, voilà. Un petit boudet. Et de 1. Allez. Tu vas me charger le sprite. Je me gratte le nez, hein, vous inquiétez pas, je me bouge pas dans la main. Sinon, ça serait dégueulasse. Là, il vient avant, je me dis, ah merde, j'ai loupé ma première. Le fait que le Pokémon de type sol. Ouais. Bah, il y a des Pokémon qui peuvent. De type. D'un autre type qui peuvent faire. Je sais pas s'il y a des Pokémon autres que des. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça dure 5 tours et...
c'est pour les Pokémon qui sont à les autres Pokémon. Les autres Pokémon de son équipe. Troisième qui va popper. Ils sont cons, ils veulent cacher des bébés, tant mieux. Voilà. Shiny, tu m'énerves. Juste regarder la vidéo et une fois qu'ils sont terminés, ils se cassent. Voilà. Voilà. Moi j'en fais partie de ce genre de comportement qui est... Salut Nick Gurs, comment vas-tu ? En cette nuit noire, 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 noire. Fait noir. Ça c'est noir. Là, 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 là c'est noir. Là, tout, tout est noir. Voilà. Évidemment. Tout ça est noir. Pourquoi je dis ça, je sais même pas. Je n'aurai jamais de drapi. Ah, rip. Tu es du sel. Petit solde. Allez.
ça, moi. Je leur demande comment ça va, tranquille. Passe-moi le pain et le sel, paf. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça me fait penser au sketch de Florence Foresti. J'ai épuisé tous mes sujets en 1h40. Et j'ai bien parlé, hein. C'est rare que je parle autant. Et pourtant, il y a 3 jours, je crois, j'ai fait un stream. Et j'ai pas parlé autant. C'est peut-être parce qu'il y avait un viewer. De toute façon, dès qu'il y a un viewer, je parle comme un moulin avant. Mais s'il y a personne. Jamais jaune, mais il m'énerve. Petit boudet, allez. Petit boudet. Tu t'en fous. C'est la nuit. Vaut mieux qu'il pleut la nuit que le jour. Hop là. Allez. Allez. Shiny. Shiny. Shiny, envoyez-moi votre puissance. J'sais pas. Dans la pluie. Ah. Ah. Je comprendrai jamais les gens qui adorent la pluie. Pour moi, c'est des gens dépressifs. Ouais, j'adore la pluie. Ça tombe, ça mouille. C'est la fête à la grenouille. Température normale quoi.
19, entre 19 et 21, c'est bien, quoi. En dessous, c'est du caille. Ah oui, c'est froid. Et après... et plus haut, qu'est-ce que t'es bien? Oh. Voilà. J'allais faire la fameuse erreur d'il y a 3 jours de faire fuite. Parce que je déteste faire ça. Pantios. Allez! Oh putain, mais pas shiny. Tu dors. Oui, ça c'est vrai par contre. J'aime pas dormir quand il fait chaud. Après... j'aime pas, j'ai pas dit que ça me dérange pas. Parce que quand il fait chaud et que je dois dormir, bah je mets pas de couverture. C'est simple. Et le jour où il y a des invités, bah il faut pas qu'ils se disent mais pourquoi il est à poil.
parce que c'est la saison où je suis le plus malade de toute l'année. J'ai pris un abonnement, je prends un abonnement forfait 3 jours par mois au médecin, à chaque fois. Ouais. C'est ma saison, il est pas censé neiger. Quand j'étais petit, c'était très vite. Sais-tu pourquoi tu n'es plus beaucoup malade? Parce que ton corps a appris à être résistant. Mais t'es pas gêné, tu m'énerves. Écoute, je dis.
les soins, ils coûtent cher par contre, mais une fois que c'est fait, t'es tranquille. Mais de ouf. Moi, je suis allergique à la poussière, à la... au pollen et aux poils de chat. Sinon il avait des plaques rouges mais énormes, limite ça saignait. Il arrivait pas à dormir. Et pendant 3 ans il a dû endurer ça. Et puis voilà. C'est aussi la sueur aussi. La sueur c'est aussi un truc de... Et la poussière. Moi je suis asthmatique dans tout ce qui est vrai. Respiratoire c'est la merde. Ça c'est lié à mes lunettes sans doute. Les problèmes de vue. J'suis myope. Myope plus le strabisme, c'est la merde. J'ai chopé toutes les...
À 2h du matin, par contre.